Je tends 5-2 à l'économie américaine. Les dernières données ont montré que les ventes au détail ont enregistré le plus fort déclin sur presque un an. Les inscriptions au chômage ont grimpé vers leur plus haut sur 4 ans. Pour analyser ces données, je reçois par téléphone l'analyse des marchés chez CMC Markets, Jasper Lawler. Merci de votre participation, Jasper. Les ventes au détail américaines ont enregistré la plus forte baisse sur 11 mois en décembre, car la demande a chuté presque dans tous les secteurs. Qu'est-ce que ça signifie après la période des fêtes ? Nous observons un peu de faiblesse pendant la période des fêtes où il y avait l'espoir que la baisse des prix du pétrole, qui signifie évidemment la baisse des prix de l'essence à la pompe et un peu plus d'argent dans les poches des gens, conduirait à une augmentation des dépenses. Et pourtant, il s'avère que ça n'a pas été le cas. Nous avons observé une baisse dans les ventes du Black Friday, ce qui est un phénomène très particulier, mais tout cela pris ensemble avec la baisse des ventes au cours de la période de Noël nous amène à croire que probablement ce récent rapport sur l'emploi qui a montré une baisse des salaires a joué le rôle déterminant dans la façon dont les gens ont décidé de dépenser leur argent plutôt que la baisse des prix du pétrole. Les données récentes ont montré que le nombre d'Américains qui ont déposé de nouvelles demandes d'allocation chômage a atteint un plus haut niveau depuis le début de septembre la semaine dernière. Est-ce que cela témoigne de ce que les entreprises licencient plus de travailleurs saisonniers que d'habitude après les vacances ou bien quelque chose d'autre? Bien sûr, le facteur saisonnier y joue un certain rôle. Comme d'habitude, nous avons vu l'augmentation de l'embauche en novembre, avant la période de vacances. Puis, de toute évidence, plusieurs travailleurs temporaires se sont à nouveau retrouvés au chômage en décembre et janvier, ce qui est un phénomène saisonnier. Mais je pense que ce n'est pas la seule raison, car nous avons vu une tendance générale à la hausse des inscriptions au chômage. Nous avons vu la création de certains emplois solides dans le rapport sur l'emploi non agricole et dans l'ensemble, on dirait que le marché du travail américain est fort. Mais en octobre, nous avons vu environ 260 000 demandes d'inscription au chômage, ce qui était en plus bas sur plusieurs années. Le nombre d'inscriptions a légèrement progressé depuis lors. La marque de 300 000 est un indicateur technique important sur le marché et c'est la première fois depuis la fin de novembre que l'indice a dépassé les 300 000. Si c'est une tendance continue, ça va être un problème car ça pourrait freiner l'emploi dans les secteurs non agricoles et par conséquent, les gens pourraient avoir des doutes par rapport aux perspectives du dollar américain en 2015. Nous avons récemment appris le PPI. Quelle a été votre première réaction à ces données ? Je tiens à souligner que les données du PPI sont vraiment similaires aux résultats de l'IPC et l'influence des prix du pétrole se fait clairement ressentir ici. Les taux directeurs ont diminué en raison de la baisse dans le pétrole, mais les prix de base ont progressé. Alors ici, nous voyons l'inflation sous-jacente dans l'économie, mais elle est assez petite. Pourtant, les prix sont généralement en hausse et la baisse massive de plus de 50% dans les prix du pétrole au cours des 6 derniers mois a exercé une pression à la baisse sur d'autres prix et s'est reflétée sur l'inflation générale. Jasper Lawler de CMC Markets, merci de votre participation. C'est tout pour l'instant, mais restez à l'affût car l'équipe de Dukascopy TV a plusieurs mises à jour économiques et interviews exclusives à vous présenter. Au revoir.